J'ai découvert ce château il y a 40 ans. Et ça a été le coup de foudre pour moi. J'ai trouvé ce château extraordinaire. Près de 20 ans plus tard, il s'était dégradé. Oui, cette belle ruine, je n'avais jamais pénétré dedans. Et quand j'ai pénétré la première fois, c'était l'émerveillement. Ça m'a vraiment motivé pour faire quelque chose. Ce château est construit sur un promontoire rocheux, c'est pour que ça s'appelle Rochefort. C'était un des rares, voire le seul exemple en France du style pré-Renaissance. Il a été construit dans les années 1480 et il a été abandonné au début du XVIIIe siècle. Le massif d'entrée par lequel on pénètre dans le château était dans un état plus que déplorable, voire même une partie de la charpente s'était effondrée en entraînant un mur de soutènement. Intervenu sur le bâtiment dont nous trouvons, sur le corps principal, pour créer une nouvelle toiture. Nous avons déposé l'ensemble de la charpente qui était complètement effondrée. Et après, nous avons réalisé dans nos ateliers la partie charpente que vous voyez également au-dessus de nous. Et l'ensemble a été couvert provisoirement avec une couverture tôle, le temps de la phase suivante qui permettra de faire la couverture en tuile. Les éléments de récupération de l'ancienne charpente qui ont été utilisés ont été rapportés aux pièces neuves par l'intermédiaire d'entures que nous appelons principalement chez nous les traits de Jupiter. Et ce sont des assemblages qui permettent de réaliser une liaison entre deux pièces. Les matériaux utilisés pour la restauration sont principalement du chêne de Bourgogne. Toutes les pièces neuves ont été chaulées pour leur donner, je dirais, un aspect quand même un peu plus vieilli que s'ils étaient neufs et carrés. Faire partie des lauréats du concours Atrium, pour nous, ça a été une reconnaissance inespérée. Quand on a reçu la réponse positive d'Atrium, ça a été une énorme satisfaction et une grande joie, je ne vous cache pas. Quand on réalise un chantier en patrimoine ou en monument historique, les équipes s'imprègnent du lieu sur lequel ils vont travailler. L'équipe fait corps avec le bâtiment. On aime repasser beaucoup plus tard pour voir les ouvrages qu'on en a réalisés. Et hein, on peut dire que c'est nous qui les avons faits. C'est une grande fierté d'avoir pu remettre en état un monument ou un patrimoine. Cette restauration va permettre de le faire visiter, faire découvrir à beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment ce château, d'y tenir des événements de tout type, culturels, musicaux, expositions, pour encore une fois faire revivre ce château.